Et salut à tous, c'est Kansunogu, on se retrouve pour la découverte numéro 2 du DLC Mario Kart 8 X The Legend of Zelda. Donc je vous rappelle qu'il est sorti jeudi 13 et il est disponible depuis le jeudi 13 et vous pouvez le télécharger, l'acheter et le télécharger bien sûr. Donc aujourd'hui je vous rappelle qu'on avait découvert, alors attendez, on avait découvert le premier Grand Prix. Et dans cet épisode, on va découvrir le dernier Grand Prix, hein, le deuxième. Bon, je vais pas dire dernier parce qu'il n'y a pas de dernier. Donc cette fois-ci, on va prendre Link. C'est vrai que j'ai pas pris le dernier épisode, désolé. Je vais prendre Link, oh my god. Et on va prendre elle est où, la moto Destrier de Légende avec les roues Triforce. Et avec l'aile Ilienne. Donc c'est parti, on va faire la coupe Triforce, donc Minoua Road, route Arc-en-Ciel, station Glagla et circuit Hyrule. Donc avant qu'on commence, je voudrais vous dire que la vidéo est toujours en 60 fps. Pour l'activer, vous n'avez qu'à besoin de mettre la vidéo en 720p avec Google Chrome. Et c'est tout ce que j'avais à dire. C'est parti, j'ai très hâte parce que en fait j'ai pas joué depuis la dernière vidéo. Donc du coup c'est un peu la tristesse. Donc voilà, donc j'ai rien d'autre à dire, j'ai hâte d'y jouer. Donc là, Minoario. Oh my god. Donc là, c'est le deuxième épisode, donc dans le prochain, on fera le online, et je pense qu'elle sera plus longue. Ok. Oh my god, Nick, déjà, il paraît très grand. Ok, Minoario. Là, alors il faut que je m'appuie dessus, salut. Ok, bon, j'aime pas trop les motos dans Mario Kart 8. Oh, par contre, la musique. Oh, il y a les masques, ok. En fait, purée, oh, je commence très mal. J'arrive pas à jouer avec la moto là. Ok, magnifique là, le saut avec la Triforce. C'était très beau. Oh non mais... Est-ce qu'il y a toujours le passage? Ouais. Par contre, si je fais commence à que faire tomber, là, ça va pas le faire. Ça ne va pas le faire avec du fer. Ok. Oh non mais lol. Ok, bon Link il est... Bon, j'attends de le tester avec un arc. Enfin, mais qu'est-ce que j'ai... Le tester avec un kart. Mais pour l'instant il est bien, ça va. Oh là là, what? Ah ouais, les chauves-souris c'est vraiment le truc le plus énervant de cette course. Les chauves-souris. Ouf, ouf. Ok. Oh là là. Je joue mal. Ah mais les trucs, ok, donc ça, en fait ça, il y a un truc, je sais pas comment ça s'appelle, un truc qui nous donne de la vitesse. Hop. Ah non, dommage, j'aurais pu faire un beau petit truc. Ah non, non, ouf, ok. Oh non, je voulais l'écraser, bon c'est pas grave. Bon, cette course elle est plutôt bien, ça va, elle a très bien été reprise vraiment par rapport à Minoario que j'aimais pas du tout sur le biscuit. Elle est vraiment bien. Ah oui, dernière chose aussi, j'avais oublié de dire, mais désolé, vous avez pas eu l'épisode vendredi parce que je suis arrivé très tard chez moi. Et j'ai pas pu tourner tout simplement, il était trop tard pour que je l'upload. Je pense qu'il y aurait personne qui aurait regardé la vidéo à l'heure où je l'aurais mise. Dès que faire la vidéo c'est long, alors l'uploader et tout. Voilà. Donc du coup, désolé, il n'y a pas eu... Oh, il y a un passage. Il n'y a pas eu d'épisode hier. Donc je vous rappelle aussi qu'il y a Costown hein, qui arrive ben, gentiment. Hein. Donc c'est ce soir à 21h pour ma part. Ça ouvre normalement
à 17h30, mais moi je commence le live à 21h, je commence à faire la cité à 21h avec Mathias 147 et peut-être Anonymous 999 YouTube. Ok, donc coupe Triforce SNES, route arc-en-ciel. Cette route était déjà dans Mario Kart 7. Ça fait 3 fois qu'elle est dans un Mario Kart. Ah d'accord. Le klaxon est bizarre. On va écouter la musique. Ok, elle a beaucoup changé par rapport à Mario Kart 7. Et il y a plus d'indicateurs, ça c'est cool. Ah non, je me suis gratté le nez. Regardez le fond par rapport à la 3DS, mais regardez-moi ça. Ah non, non, il n'a pas changé. Mais c'est un remix en fait. Ah, les souvenirs là. Oh, elle a été super bien reprise. Hein. Ok. Donc j'ai vu aussi sur YouTube, il y a eu beaucoup, beaucoup. What? Ok. Oh non. Il y a eu beaucoup de vidéos sur ce DLC. On s'attendait, mais on s'y attendait, mais il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de vidéos. Et ma vidéo est passée. Bah, ça va pour l'instant, elle a fait. Ça va. Elle était plutôt bien. J'espère que la 60 FPS vous fait plaisir parce que, quand même, ça me prend du temps. Hein. Ça prend plus de temps à uploader. Donc, j'espère que vous utilisez. Ça sert à rien. Ben, je ferai pas. Hein. Ça sert à rien si personne ne regarde en 60 FPS. Je sais pas s'il y a des stacks comme sur les live. What? Oh, oh non. Par contre, je vais faire un 100% là, s'il vous plaît. Oh non, mais. Je joue trop mal, je joue trop mal. En même temps, il est 23h, les amis. J'ai fait une journée très pénible aujourd'hui. Oh, mais. J'aime pas la moto. Je déteste la moto. C'est décidé, je déteste la moto. Je suis 6ème. Non, mais lol. Allez, allez, on rush tout. On rush tout. Oh, dommage. 4ème. Oh, je me suis pris en plus ma bonne. Je savais que je n'allais jamais me la prendre. Oh, c'est un peu nul, hein. C'est un peu nul. Oh là là, dommage. Fuck. Ça cause. À chaque fois, il y a une course. Il y a une course à chaque fois, à chaque Grand Prix, où tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas. Bon, en même temps, c'est la première fois que je découvre les courses, donc c'est un peu normal. Donc là, Station Glagla. Ouais. Station Glagla, donc c'est une nouvelle course cette fois. J'espère qu'elle est bien. Je sais pas ce que c'est, je l'ai pas vu dans les trailers. Ok. Bon. What the fuck? Je déteste quand ça glisse par contre. Si vous avez vu Let's Play de Simple Sword. Wii U, hein. J'ai hâte de jouer en online aussi. Les bruitages de Link aussi sont bien. Hein. Il y en a dit qu'ils étaient nuls, mais moi je trouve qu'ils sont bien reproduits. Hein. En même temps, c'est pas très dur. Ok, bon, cette course. Ah, c'est la fin déjà. Oh, bah, cette course. Elle est pas très bien. Hein. J'avoue que là. Y a pas trop d'originalité hein. C'est deux circuits enfin bref c'est pas trop original là. C'est pas du tout original. Hop, petit glitch de collision hein, comme d'habitude dans les jeux. Ok. Ok, c'est cool. On va pas. Ah, fuck, je suis passé au milieu des objets. Oh là là. Oh non, mais lol. Oh, par contre, il s'est gavé le bot. Hein.
Les bots, je sais pas pourquoi, ils ont l'air plus... Non, non, je vais rien dire. Je sais pas. Non, ils étaient déjà comme ça, donc je vais rien dire. Oh non, mais lol. Oh non, mais là, je vais pas être dernier encore, hein. Enfin, je vais pas... je vais être premier, là. Dommage qu'il n'y a pas le bruit quand Link trouve une surprise, enfin dans un coffre. Oh non, mais... Oh non, non, mais... Please. 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 Je joue comme une merde. Il faut le dire. Il faut le dire. Ah. Oh là là, ça saoule, ça saoule. Mais j'arrive pas à jouer avec la moto. Vraiment, j'arrive pas à jouer avec la moto. Donc là, le dernier circuit, les amis. Le circuit que à peu près tout le monde attendait. Le circuit qui roule. Il paraît qu'il est pas trop bien en fait. Il paraît qu'il est pas bien. On va laisser la cinématique. Mmh. C'est avec la Triforce et tout. Oh my god. Oh, regardez à gauche. Il y a les... Oh là 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 là. Attends, je vais laisser la musique. Oh là là. Il y a même le bruit et tout. En fait, les rubis, c'est des pièces. What? Ah mais on peut pas. Mais j'ai eu dans le trailer qu'on pouvait sauter là. Ah, c'est peut-être dans la deuxième course. Enfin deuxième tour. Oh, y a même les bruits et tout, my god. Ça, regardez-moi ça. Regardez-moi ça quoi. Regardez. Mais imaginez le prochain Zelda quoi. Oh non lol. Oh mais je me foire tout le temps. Ah c'est bien, je vais lui lancer une petite carapace rouge. Comme ça je vais être premier. Il a ralenti. Ah non, je voulais la garder. Oh, elle est vraiment vraiment bien. I fuck my life. Fuck my fucking life. La musique, les amis. C'est un peu la musique de Hyrule Warriors hein, quand même. Mais j'avais vu dans le trailer qu'on pouvait sauter sur l'épée. Alors c'est un... je sais pas, ils ont, se sont trompés, mais j'avais vu qu'on pouvait sauter sur l'épée. C'était, c'est bizarre. C'est très bizarre. Bon ben, 47 points, je suis premier. Je suis premier grâce à cette course. Ok, bah c'est cool, c'est cool. Vraiment, cette course, vraiment, 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 elle est bien. Je crois, je sais pas si je dirais que c'est la meilleure. Ouais, je pense que c'est la meilleure. Je pense que c'est la meilleure. Hein. Ouais, c'est ça. Je pense que je vais dire que c'est la meilleure parce que vraiment, rien à dire. Hop, petit tournoiement. Donc les amis, on a fini pour la découverte du DLC. Du DLC en version solo, parce que dans le prochain épisode, on découvrira le online. Qu'est-ce que ça a changé dans l'online? Est-ce qu'on peut jouer avec des gens qui ont le DLC ou qui n'ont pas le DLC? Enfin, normalement, on peut jouer avec les gens qui ont le DLC, mais ceux qui l'ont pas, est-ce qu'on peut y jouer? Ça, c'est vraiment...
pense pas, mais on verra. Et on verra un peu là où on a eu tout. Je pense que la vidéo sera beaucoup plus longue. Pardon, j'arrive plus à parler. Donc les amis, merci d'avoir regardé ce deuxième épisode de la découverte du DLC Mario Kart 8. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez des avis ou des questions, mettez-le en commentaire. Voilà les amis, à la prochaine pour la découverte de Online. Bye tout le monde, merci d'avoir regardé.